tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous faire un petit haul. Donc la marque c'est If You. Donc voilà, je vais vous parler de cette marque là. C'est une marque qui m'a contactée. Donc j'ai sélectionné je crois 8 articles si je ne me trompe pas. Donc je vais vous montrer les articles portés sur moi. Je les ai tous portés. Il y a un article là que j'ai pas avec moi, c'est un short en jean parce que je l'ai donné à ma soeur. J'ai pris 2 trucs pour ma mère et le reste c'est pour moi. Je vais vous montrer tout ça, il y a des pépites, il y a des petites pépites, genre des petits hauts. Magnifique, magnifique, magnifique. J'ai pris 2 petits hauts là, ils sont magnifiques, dont un, je sais vous allez aimer. Je vais vous montrer ma sélection. Avant ça, comme d'habitude, je vous fais une petite introduction pour, par rapport à la marque. Donc j'ai reçu mon colis assez rapidement, je l'ai reçu en... J'ai reçu en combien de temps? Je crois en une semaine et demie, j'avais tout reçu. J'ai pas eu de frais de douane, parce que vous savez qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui reçoivent des frais de douane, dont moi. Et là, en l'occurrence, j'en ai pas reçu, donc tant mieux. Je crois que c'était livré avec la poste, si je me trompe pas. C'est peut-être pour ça que j'ai pas eu de frais de douane d'ailleurs. Ah oui, et sur le site, du coup, vous pouvez retrouver un peu de tout. Moi, j'ai pris une robe, des shorts, des tops, un ensemble. C'est tout, mais vous avez plein de vêtements assez variés. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Et aussi, vous avez des accessoires et vous avez des articles pour la maison. Donc, c'est vraiment un site complet. Dans tous les cas, le lien du site sera dans la barre d'infos. Les articles aussi que j'ai sélectionnés, ils seront dans la barre d'infos. Et j'ai un code promo qui sera dans la barre d'infos. Tout sera dans la barre d'infos. Et moi, j'ai un code de -20%, je crois, si je ne me trompe pas. Je vous le mettrai sur l'écran et ben, dans la barre d'infos. Mais je crois que c'est -20%. Bien évidemment, ça complète mes hauls. C'est un haul pour l'été. J'ai pris que des trucs d'été. Il n'y a pas de trucs pour le printemps. C'est que des trucs d'été. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. À part les trucs que j'ai pris pour ma mère, c'est des trucs assez basiques. Et en vrai, il y a un des trucs que j'aurais pu garder, mais ma mère, elle le voulait, donc je vais passer. J'ai pris un top, j'ai pris une taille L. Pour les personnes qui ne savent pas, enfin, je le dis tout le temps dans mes hauls, mais je fais 1m67 et je pèse 67 kg. Petite précision si vous voulez vous référer à moi par rapport à ma morphologie et tout. J'ai pris un haut comme ça, donc c'est un haut simple, c'est un t-shirt, mais en vrai, pour les personnes qui font moins d'1m67 et même pour les personnes d'1m67, vous pouvez le porter en robe. Après, vous attendez pas que ça soit une robe hyper longue. Mais ça fait une petite robe ample et super mignonne, je la trouve vraiment belle. Et vous mettez ça avec des accessoires, genre des petits accessoires or comme j'ai là, là. Vous mettez des petites créoles, un petit collier, une petite montre, tout en or. Ça va grave habiller la tenue parce que c'est un t-shirt simple. Donc moi j'aurais mis ça personnellement en robe. Donc je vous conseille de prendre du coup une taille au-dessus, voire deux tailles au-dessus de la vôtre si vous voulez la porter en robe. Si vous voulez porter ça avec un t-shirt, vous pouvez mettre un cycliste genre de la même couleur. Vous pouvez mettre aussi un jean. Mais après en jean, il faut vraiment que ça soit court. Genre faut pas que ça soit ample parce que sinon bizarre. Je trouve après c'est par rapport à mes goûts. Mais si vous voulez faire ça, ben libre à vous. Du coup voilà pour ce petit top. On aime beaucoup. En plus en été... Des fois c'est bien ok les trucs moulants, mais il y a des trucs on aime bien être à l'aise, genre on aime bien, il faut de l'air genre, il faut de l'air. Bah ça vous donne de l'air en fait, ça vous colle pas à la peau, c'est bien large et tout comme on aime, c'est ça qu'on veut. Le t-shirt en L, je trouve qu'il taille normal à grand. Et l'ensemble que je vais vous montrer là aussi, je trouve qu'il taille normal à grand. J'ai pris un ensemble couleur vert olive, c'est une taille L, donc c'est ce que j'ai pris pour ma mère. Sur moi je le trouve un peu grand, genre j'aurais pas porté comme ça mais je le trouve un peu grand. Pareil là c'est une espèce de chemise, donc voilà vous avez une chemise manche courte, bouffante au niveau des manches. Elle est assez longue donc si vous voulez la porter en robe encore libre à vous. Bah, vous avez le short qui va avec, donc moi j'ai pris le short qui allait avec. Donc le short il se présente comme ça, c'est un short kaki, vous pouvez voir qu'ici vous avez des petits boutons. Et ce qui est bien c'est que vous avez des poches. Je ne m'y attendais pas quand je l'ai essayé, mais en fait, il y a des petites poches, donc c'est bien. Vous pouvez porter ça, vous rentrez totalement la chemise dans le short, ça peut le faire, ça peut le faire. Vous portez vraiment genre le short en taille haute, avec la chemise bien rentrée dedans. On est encore dans les bijoux or, parce que pour moi, c'est le truc qui va le mieux, genre avec les tons beige, même vert. Je trouve ça trop joli, genre vraiment trop joli. Et des petites claquettes, ça fait très été. Ça fait vraiment très été, et c'est ce qu'on veut. On ne veut pas genre des trucs... On sent pas qu'on est en été. On est en été, donc on veut des habits d'été, tout simplement. Voilà.
Alors ensuite, je vais vous montrer du coup le short en jean que j'ai pris. J'ai pris un short en jean avec plein de petits boutons au milieu. J'ai pris une taille 40 pour les shorts en jean, donc c'est ma taille habituelle. Ils me vont très bien, genre c'est ni trop grand ni trop petit. Ça me va parfaitement. Je vous mettrai du coup la vidéo sur l'écran juste ici comme d'habitude. Rien à dire sur les shorts, ça taille bien, c'est joli, c'est esthétique. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. J'ai pris ce short en jean, enfin c'est plus un bermuda, hein, un bermuda en jean, parce qu'il est vraiment long, genre vraiment vraiment, mais je trouve que ça change, et sur les poches vous avez des petits détails. Les poches c'est écrit fantastique, 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 comme ça. Le derrière il est comme ça, et c'est bien parce que ici c'est extensible, là qu'on veut, parce que si pendant les vacances on prend du poids, on fait comment? Les vêtements ils nous rentrent plus? Non, solution à tout. Allez, vous mettez ça genre avec un petit top classique, n'importe quel top. Mais un top moulant parce que je trouve que bah, ça fait assez masculin. Donc voilà, j'aurais mis un top moulant personnellement avec des petites claquettes. Mais vous savez les claquettes qui se referment là. Je sais pas comment vous expliquer, genre les claquettes à scratch avec un petit sac. Pépite, vraiment pépite. Vous allez voir cet été, je vais faire des looks. Donc rendez-vous sur mon Instagram. Petit basique, un short en jean déchiré. Voilà, simple, efficace. Il est pas trop court, il est... genre normal, genre il est pas genre comment dire, il n'y a pas de bout de fesse qui dépasse, parce que je sais qu'il y a des shorts en jean où ben, il y a des bouts de fesse qui dépassent. Pour ce cas là il y a pas de, vous verrez pas de bout de fesse qui dépasse, sauf si vous prenez pas votre taille. En tout cas personnellement là j'ai encore pris ma taille, donc j'ai pris une taille L, une taille 40, donc voilà, il n'y a pas de, mes fesses elles sont bien dans le pantalon, mes fesses elles sont bien dans le short. Un petit short comme ça c'est basique, c'est basique, vous devez avoir un short classique comme ça, c'est obligé. Ensuite j'ai pris une robe en taille M. En fait si je prenais une taille L, je pense que ça allait être beaucoup trop grand. Si je prenais une taille S, ça allait être trop petit. Donc j'ai pris une taille M. Au final, c'est ni trop grand ni trop petit. Mais vu que quand j'ai essayé, genre chez moi en close-up, j'étais toute seule. Enfin genre je pouvais pas attacher la fermeture jusqu'au bout. Ça veut dire quand vous allez voir le close-up, vous verrez que genre il y a un petit côté qui baille. Et c'est en haut, ça baille parce que bah j'ai pas pu attacher la fermeture jusqu'en haut. J'ai pris une robe en jean comme ça. Et franchement de loin comme ça, ça ressemble à rien. Mais quand je vous dis c'est beau, genre j'aime trop en fait. Vous pouvez même mettre ça avec des petites baskets, genre des Air Force blanches, des claquettes. Franchement moi les robes, ça dépend quelle robe, mais il y a des robes genre je peux pas les mettre avec des baskets. Et cette robe là je trouve que ça ferait mieux, genre si vous mettez des claquettes blanches ou même des claquettes bleues, ça peut le faire, genre du ton sur ton. Une paire de claquettes, je trouve que ça peut grave matcher avec, avec ça. Et je sais pas, avec un petit make-up genre raffiné, une coiffure bien plaquée ou des cheveux lisses, genre vraiment lisses, baguettes, grosses boucles d'oreilles et tout, ça passe crème, ça passe crème. Donc là, on va passer au top. J'ai pris des tops simples et je vous montrerai mon top préféré à la fin. Et mon article préféré de toute ma commode. De toute ma commande. J'ai pris un petit haut comme ça. Donc c'est un haut côtelé blanc. En fait, moi, quand je fais mes close-up, je mets des sous-vêtements beige, blanc, noir. Enfin, des sous-vêtements neutres. Comme ça, bah, vous voyez mieux. Et je peux bien vous montrer. Donc là, pour le coup, j'avais mis un soutien beige. Donc ça se voyait pas trop. Après, je pense que si vous mettez du coup un soutien de couleur, ça va se voir à travers. Donc faites attention à ce que vous mettez en dessous. Mais voilà, simple, efficace, beau. Genre, ça sent l'été. Clairement, ça sent l'été. Ça sent l'été. C'est tout ce que je peux vous dire. Et là, j'ai pris un petit top comme ça. Ici, vous avez un trou. Bon, là, vous le voyez comme ça, ça ressemble à rien. Vous allez... De toute façon, quand vous voyez les close-up, c'est une blague là? Une blague mon écran? Une blague mon écran avec les pubs de fin? C'est parce que ma cheminée elle allait presque se terminer. Enfin bref, avec les trous au milieu là. Et je trouve ça vraiment trop joli. Parce que vous savez, il y a beaucoup de tops genre qui font décolleté. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui... C'est pas tout le monde qui porte des habits comme ça. Là franchement c'est un bon top. C'est-à-dire ça fait pas décolleté de fou. Enfin, il passe trop. Il passe trop bien. Franchement la vérité, il passe trop bien. Noir, classique, simple. Vous mettez ça avec un pantalon large, ça fait classe en fait, ça fait classe. Un pantalon large, des petites sandales ou des talons. Parfine, parfine, parfine. C'est que le préféré de ma commande, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant que je vous le présente. C'est un petit top comme ça, un bustier, mais regardez les détails en fait. Regardez, il y a des petites fleurs. J'aime trop, genre je trouve ça trop beau. En fait, le truc qui est un peu chiant, c'est que ça, dommage que ça soit pas doublé. Genre c'est fin, donc c'est à mettre avec un soutien, sauf pour les personnes du coup qui ne mettent pas de soutien. Si vous avez un petit truc en silicone, je crois c'est pour faire bien tenir la poitrine. Pour ma part, ça retient pas trop. Enfin, genre je trouve pas que c'est fixé, genre en mode ça va pas bouger.
Donc je pense que c'est un haut, vous avez tendance du coup à le remonter. Après franchement il est beau. Donc quitte à le remonter 500 fois dans la journée, je suis désolée, il faut faire des sacrifices, on ne peut pas tout avoir dans la vie. J'ai pris une taille S, donc ça taille normale. Normale, ouais. Ouais, normal. Donc voilà pour ma petite sélection. J'espère que ça vous aura plu, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo. Donc j'ai un code promo qui sera du coup dans la barre d'infos. Normalement c'est un code promo de moins 20%. Je ne sais pas si en ce moment il y a des soldes sur le site. Et je sais pas si c'est cumulable, mais essayez, testez si vous voulez commander quelque chose, essayez de mettre le code aussi, peut-être ça va vous faire une réduction en plus. Donc, qui ne tente rien à rien, en fait. Voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok, tout est dans la barre d'infos. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Besos !